Inverse, une auditrice nous demande, j'estime faire l'objet d'un harcèlement dans mon entreprise, quelle démarche lancer ? Alors déjà, peut-être rappeler à cette personne, le harcèlement, pour bien le caractériser, c'est des agissements répétés qui ont un impact sur la santé du salarié et une dégradation de ses conditions de travail. Si elle estime s'inscrire dans ce cadre-là, il y a plusieurs panels qui sont possibles pour elle de mesures et de personnes à solliciter. La première chose, elle peut le dire à son employeur. Maintenant, si c'est difficile pour elle, on peut le comprendre. De la même manière, elle peut informer les instances représentatives du personnel. Ainsi, le CSE, par exemple, a un droit d'alerte auprès de l'employeur. Donc ça peut être un moyen utile. Ensuite, elle peut aussi solliciter la médecine du travail, qui d'ailleurs, si la médecine du travail estime que ça a un impact sur sa santé, pourra notamment la déclarer inapte à son poste de travail, si elle subit un harcèlement trop fort. Elle peut également contacter l'inspection du travail, qui lui, justement l'inspecteur du travail, aura des pouvoirs d'enquête et pourra informer le procureur de la République s'il y a des faits de harcèlement. Et enfin, évidemment, elle peut saisir les juridictions compétentes, à la fois le Conseil des prud'hommes, pour une action, par exemple, si elle devait contester une mesure de son employeur qui est fondée sur des faits de harcèlement, ou alors le juge pénal, si par exemple, elle veut déposer plainte contre un collègue qui serait le harceleur. Bon, ça fait un gros panel de personnes ou d'institutions à solliciter. Juste pour rebondir, vous insistez, Tiffaine, sur le côté répétition et dégradation. Est-ce que, si je suis cette auditrice, je peux aller voir déjà mon médecin traitant pour constater cette dégradation? Et sur la répétition, comment je fais pour, entre guillemets, préparer mes billes en amont et voilà, et venir avec des preuves, si je peux le dire un peu comme ça? Alors, c'est tout à fait pertinent parce qu'en matière de harcèlement, la charge de la preuve, elle va être partagée. Et donc, il faudra que le salarié apporte un certain nombre d'éléments. Et donc, il faut caractériser cette répétition. Par exemple, elle peut écrire à son employeur en se plaignant d'une situation dont elle estime se sentir victime. Et elle gardera ses mails. Elle peut écrire à l'inspection du travail de la même manière et garder ses éléments. Aller voir son médecin du travail, par exemple, et transmettre un arrêt qui indique qu'elle a des difficultés psychologiques, un stress, des problèmes de fatigue, parce que ce sont les signes souvent qu'on constate. Effectivement, ce sont tous ces éléments, finalement, constituent un commencement de preuve qu'elle pourra utiliser par la suite en justice.